Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chauve-souris, bande d'infréquentables. Je suis côté passager là. Et devinez avec qui je suis. Salut. Comment ça va Stéphane? Bah ça va et toi? Ouais ça va bien, bah, depuis 2 minutes. Depuis 2 minutes. Alors là on va à un lieu, dans une maison, mais c'est Stéphane qui va vous raconter une histoire absolument incroyable, rocambolesque, digne d'un vrai film d'horreur. Mais avant ça, je vous demande de partager encore mon travail, mais aussi je voulais vraiment remercier encore une fois, mais c'est très important pour moi de le faire, mes donateurs et donateurs, les femmes d'abord, parce que c'est grâce à vous encore que je suis dans ce déplacement pour vous amener toujours des images, j'espère, les plus singulières, les plus incroyables possibles. Voilà, je laisse la parole à Stéphane qui va vous expliquer exactement ce qu'on va faire et l'histoire de cette maison. C'est un homme en fait qui a été possédé. Il y a quelqu'un qui est décédé dans la maison avant qu'ils habitent dedans, quoi, qu'ils aménagent dedans. Ils ont aménagé bien longtemps après parce que cette maison était invendable. Oui. Et le chef de famille s'est retrouvé, l'homme n'était pas parti, donc il s'est retrouvé possédé, quoi. Mm-hmm. Et il avait des voix dans la tête, tout ça. Au bout d'un moment, il a vraiment littéralement pété les plombs. Et il a battu de sang-froid sa famille à coups de chevrotine, quoi. Et puis avant de se donner la mort, voilà. Mm. Donc, il était victime d'une possession. Une possession, hein. Ouais. Je pense que c'est l'homme qui, en fait, qui est du défunt, qui était dans cette maison, quoi. Ouais. Et qui devait être certainement très jaloux et qui est pas parti. Ouais. On peut qualifier ça de possession ultime. Hein. C'est une possession ultime, oui. Et j'en profite justement, tant qu'on peut parler un peu tranquillement. Comment ça va? Beaucoup de gens sur internet, beaucoup de mes abonnés m'ont demandé comment tu allais avec tout ce qu'on a vécu, autant dans Amityville qu'avec l'épisode du loup-garou. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? On va dire que ça va, mais la première fois, je peux dire que j'en menais pas bien large. Ouais. C'est quelque chose. Je me suis fait littéralement agresser. T'as vu, j'en ai rentré, une dague a volé sur moi. Enfin, après, fait. C'était des phénomènes de malade, j'avais jamais vécu ça, donc forcément, j'ai eu un petit peu une crainte, hein, une angoisse. J'étais complètement angoissé, ce qui est normal, hein, je pense bien que sûr. C'est humain. Comme encore une fois, je l'avais dit, j'étais titanisé, j'ai vraiment. Ouais. Donc j'ai vraiment. Quand c'est un homme, quoi, c'est pas pareil, quoi, mais quand c'est quelque chose qu'on ne voit pas et des objets qui se déplacent, on ne sait d'où, des tas de guêpes mortes par terre. Oui, le sang aussi sur le sang, mais on a vu vraiment l'endroit où cette femme avait c'était vraiment moi ça m'a bouleversé. J'avais mis un moment avant de reprendre un peu le dossier parce que ça m'avait vraiment fait flipper, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, et pour ce qui est du loup-garou, il y a eu beaucoup de questions aussi. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Oh ça. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je sais que le loup-garou, c'était carrément. Ouais. C'était là, non. On a eu beaucoup de messages du type on était courageux, etc. Ouais, puis beaucoup de gens me disaient Stéphane, alors, comment il s'en est remis? Parce que lui, pareil. Il m'a carrément griffé, en fait. Il a voulu m'attraper, je pense. Ouais. J'ai vu. Mais en même temps, la force, ça m'a propulsé. Mm-hmm. Et je me suis complètement parti dans le meuble qu'il avait carrément viré, d'ailleurs. Comme une merde. Le pot du meuble, il l'avait carrément viré, il l'a carrément foutu en travers. C'était vraiment hallucinant. Moi, j'avais les griffes là derrière le dos, j'avais la marque là, je pense que tu avais filmé, hein, tout. Voilà, bien sûr. Et carrément à nous balancer, on a vraiment failli se prendre des plotets, des toutes sortes de matériaux qui c'était vraiment une agression. Au début, quand je t'ai vu faire une roulade, moi je me dis tiens, il a des talents de gymnaste. Ouais, puis en fait j'y ai pensé aussi. C'était en fait parce que t'as été vraiment projeté comme une merde, quoi. Exploser contre le meuble avec la je vois mal comment en plus les marques, les griffes que j'avais au cou. Puis t'es pas du genre à faire des roulades non plus, donc on va éviter. Ouais. Bon.
En tout cas, ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux, ouais. Voilà, donc c'est ce que, surtout les abonnés voulaient savoir. Ouais. Prendre de tes nouvelles, voilà. En tout cas, tu as eu beaucoup de soutien toi aussi de ton côté. Hein. Ouais, très. Vraiment beaucoup d'ailleurs, je les remercie. Et ouais. Je les invite, moi aussi, à partager le site de Morgan Priest. Hein, et surtout, un grand merci aussi également aux donateurs. Sans ça, Morgan ne serait pas ici avec moi aujourd'hui. Et on, voilà, quoi, vous ne pourriez pas vivre ces phénomènes que vraiment. Même ces aventures. C'est, c'est vraiment ces aventures de malade. Quoi, parce que... On va pas tarder à arriver, merci pour la petite piqûre de rappel. On va pas tarder à arriver, Stéphane. Ouais. On va commencer à se préparer, on va faire une petite prière et puis on attaque. T'es prêt? Ok. Bon Morgan, on est arrivé. T'es prêt? Je suis prêt, allez c'est parti pour l'aventure. Je crois qu'on va faire une petite prière avant. Hein? Et puis on attaque. Ouais ouais. On va vous faire découvrir l'envers du décor de cette maison incroyable. Ok. Seigneur Jésus, je te remercie de nous protéger. Vierge Marie. Garde-nous auprès de toi, pauvre pécheur, maintenant et jusqu'au jour de notre mort. Amen. Amen. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, on est vraiment aux abords d'une route, là. Là, en plein milieu d'une forêt. Donc, cet endroit abrite vraiment un véritable scénario cauchemar. Imaginez-vous. Et le pire, c'est que ce sont des faits divers qui existent en grand nombre. C'est une vieille grange, t'as vu ça? Ouais. On va s'aventurer directement dans la maison. C'est ça, ouais. Vous avez vu ce balai, le mec il a dû balayer comme un taré pour niquer tous les poils comme ça. C'est muré là. C'était carrément muré, ouais. Ouais. Vieux. Ça date de quelques années quand même, tout ça. On voit quand même que ouais, c'est pas tout neuf. C'est pas tout neuf. Et on va voir de côté, je me sens un peu attiré de côté. C'est un peu débarrant, tu vois, je sais pas. Une branche, ouais, bah ouais, regarde, c'était les portes de branche. Celle qui donne à l'extérieur, je me demandais. Ouais.
marche qui est cassée. Il y a une marche qui est cassée, mais le bois bon, à côté. Non, non. Non, ça a l'air relativement solide. Mais marche pas sur celle-là. Attends, si tu veux, j'essaie de. C'est tout en pierre, Morgane. Tu peux c'est tout en pierre, ouais. Il n'y a pas de souci, à part. Oh, c'est quoi ça? Bah, je te propose déjà de faire une visite du bas complète. Ouais, ouais. Et puis ensuite. C'est sécurisé. Hein. On pourra monter. Il y a un bruit derrière toi. On l'a entendu, ça? Mais je crois que c'est moi qui ai dû. Parce que regarde, il y a un plancher. D'accord. Je suppose que c'est moi. D'accord, ok. Parce que regarde, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais. J'entends bien le bruit. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je crois d'abord. T'as vu ça? T'as vu ça? Le vieux poêle, la teinte, tout ça. Il y a eu un bruit là. Ouais, ouais, j'entends bien. Il y a eu un bruit là. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je t'ai dit tout à l'heure, t'es sûr que c'est toi? Je sais. Ben, je sais pas, je veux. Vu qu'il y a les planches là. Là, il y a un rat. J'ai eu la chaise. C'est quoi, il y a une chaise qui a... C'est la chaise qui a volé? Ouais. Regarde, c'est celle-là. J'ai flippé. Putain. Regarde, il y a un trou là. On peut pas passer là, si. Sur le côté. Là, on est dans les vents. Eh. C'est quoi, arrivé, quoi? Laisse tomber, attends. Le phénomène de ouf a commencé. Ça commence, avec comme l'autre jour, ça encore, je ne pas encore. Regarde la chaise. Ouais. J'ai senti, t'as vu, je t'ai dit, il y a un truc qui m'a touché les cheveux, je crois que c'était une toile d'araignée à un moment. Ouais. Il y a une toile d'araignée là. D'un seul coup là. Sors ta croix s'il te plaît. On va commencer à sortir le matos. On va sortir la croix. Nous sommes venus en paix. Au nom du Christ, nous sommes venus en paix. Au nom du Christ Jésus, ne nous agressez pas. C'est bien quelqu'un. Nous sommes venus en paix. Au nom de Jésus. C'est pas possible, il y a quelqu'un, Stéphane, putain. Ouais. Vous inquiétez pas, on fait un reportage. Putain, j'ai l'impression d'avoir dit ça 1000 fois. Je suis complètement. Putain, ce truc de fou. Ma lampe commence à déconner. Vous avez un message à nous faire passer ? Putain, il flotte dehors en plus. Écoute. T'entends ça ? On dirait un. Ça fait un de gros courant d'air. De gros bruit qui. Ouais, courant d'air là qui. Il n'y a pas de courant d'air, j'ai fermé la porte là-bas. Avec cette porte ouverte. Je peux pas faire courant d'air ici. Viens, on y va. Va voir. Tu le sens? Bah. Là. Au nom de la Vierge Marie et du Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien contre nous. Vous n'avez plus rien à faire ici. Ah,
truc de malade. Regarde ce truc de bas. Putain, Morgane. Putain, j'ai fait. C'est quoi ce machin? Putain, t'as vu? Regarde. Je n'ai rien à foutre, viens, on se casse. Non, regarde, j'ai vu une grosse. Une drôle de gueule. J'ai fait faire une crise cardiaque. J'ai vu une drôle de gueule. Juste là, là. Putain. Non, putain, on est où? La route, elle est là-bas derrière. C'est hurlement, putain, mon gars, viens, on se casse. Bah bon. J'ai failli crever, bordel. Protège-nous, on traverse la maison. On traverse la maison, on se tire. Au nom du putain, Christ, on se casse. De Nazareth. Je vais crever. Garde-nous, Seigneur. Putain, ce truc de fou, je suis gelé. Putain, Morgane, tu sais ce que j'ai pris? Quoi? J'ai les billes bénites. Ouais, vas-y, sors-les. Et ouais, moi, je pense que. J'ai peur. Oh là là, ça m'a glacé le sang, putain. C'est pareil. Regarde, je trempe tout. Vas-y, allez, on va se tirer. Hein. Je n'ai rien à branler de ces putains d'esprits là. T'as vu le truc en dessous là? Ouais, j'ai vu une tête, je te dis. J'ai vu une drôle de. Ben, c'est une forme bizarre. Je peux pas, c'est un truc quoi, une ombre. Oh putain. Je l'ai vu juste là. Là, en bas. Tu vois? Ouais. Au début, tu sais, on arrive, t'as vu, c'était plutôt tranquille. Mais oh, c'est la pièce, j'ai l'impression, là, je sais pas pourquoi. J'ai senti tout de suite dans mes cheveux. Je t'ai dit, j'ai une toile d'araignée. Tu m'as dit, non, il n'y a pas de toile d'araignée. Tout à fait. Et derrière, la chaise a volé. La chaise, elle a volé, Morgane. Derrière. Eh, je me sens tellement crispé, excuse-moi. Faut que je m'assoie. Ouais, c'est pareil, je suis en train de. Je me sens crispé, putain. Regarde. J'ai les jambes, tout, je tremble comme une feuille morte, quoi. C'est un truc de malade. On essaie de rejoindre la route ou... On essaie de reprendre la route, ça pleut. On tire. On va niquer la caméra avec la pluie en plus. Viens, on essaie de passer. On va la bénir cette maison. On va la bénir, mais on va passer par en dessous peut-être. Tu as le. Je la sens pas très. Je la sens pas très bien. Je la sens pas très bien en dessous. C'est là que j'ai vu le biais de l'ombre, je te dis. Alors à moins que ça soit l'ombre quand t'es passé, je crois pas, j'ai vu vraiment une ombre, je te dis, il y avait quelque chose ici, là. Là. C'était là, ça regardait ici, debout. Ah, je l'ai pas vu. C'était vraiment un machin comme as, quoi. Quand t'es descendu, en fait, tu l'as vu, c'est ça? Là, j'ai couru tout, puis en allumant, j'ai éclairé derrière. Et c'est là que j'ai vu cette... Tu sais, ça m'a interpellé, j'ai vu un... Steph, il pleut, il faut rentrer. Je vais niquer la caméra, et sinon on coupe tout en maintenant, passant, et... En passant? Hein? En passant? Non, descends. Vas-y. Seigneur. On rentre, Morgane. Seigneur, protège-nous. Seigneur Jésus, mon Père, Seigneur. Protège-nous. Seigneur, prête-toi, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Ah non, tu vois, il n'y a rien, c'est vide. Morgane, c'est là que j'ai vu le visage. Il n'y a rien. La porte, Morgane. Elle vient de se fermer. La porte s'est fermée, Morgane. T'as pas fermé la porte? Non, je dois fermer la porte. J'étais juste de passé juste devant toi pour faire un plan. Putain, je vais bouger la porte. Putain. Vérifie qu'elle soit pas totalement fermée. Putain, parce que là, on est bloqué ici. On peut pas sortir. On est enfermé. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir, Morgane. Non, sérieux. Putain. Sérieux. Putain, c'est passé. Je sais pas. Ça s'est passé. La porte est coincée. Putain, ça m'a explosé l'oreille. Pareil, ça m'a tapé dans la jambe. La porte, elle est coincée. On est bloqué là. Putain, je peux pas ouvrir. Putain, regarde. La porte, elle est coincée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Bénis cet endroit, Seigneur. Putain, on est enfermé. On a. Regarde la porte. Regarde la porte. Filme, Morgane. Je filme. Regarde le truc. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Sainte Vierge Marie,
protège-nous. Protège-nous et arrête ces phénomènes, je t'en supplie, et laisse-nous partir. On se tire. Il y a une bouteille de verre qui a explosé. Putain. Force, bordel, putain. Vas-y, mais force, putain. Putain. Vas-y, on se casse, on se casse, on se casse. On se casse. Morgane, Morgane. De fou. Eh, on peut pas gagner. On peut gagner la caisse par là. Non, non, je crois pas là. C'est, regarde, c'est le marécage, ça laisse tomber. Putain, putain, viens. Putain. Viens, viens, viens. Fais chier. Mais on se casse. On repasse par le haut et on se barre en courant. Vas-y, on s'en branle. Arrivera ce qui arrivera. On se tire. Seigneur. Vas-y, fais gaffe, t'as le coup. Vas-y. Allez Stéphane, vas-y, manne-toi. On se casse. Manne-toi, manne-toi. Vas-y. On se casse. Arrivé, là. C'est un truc de barre. Putain, viens. Down. C'est quoi ce délire là? Sors le pas là-bas. Merci. La porte est fermée? La fenêtre. Oh, attends, attends. La fenêtre est ouverte. Ça prête dans tous les sens dans ce bar. Morgane, on va se faire tuer là. Il faut qu'on se tire. Si tu veux, c'est fermé. Putain. Au nom de Jésus. Seigneur. Putain. Putain. De barge. Seigneur Jésus, bénis cette maison. Protège-nous. Putain, la porte, Morgane. Waouh, comment on s'est fait mettre à la porte. On s'est fait jeter. On s'est fait jeter. Putain, je... Oh là là, là ça, hey, c'est encore pire que l'Amityville. On s'est fait jeter, Morgane. C'est encore pire que l'Amityville, celle-là. C'est un truc de bain, de taré. Putain, putain, je viens de voir un visage. Seigneur. Je viens de voir un visage là. Un visage humain. En haut. Là, en haut. Juste là en haut. Visage humain. Je t'ai dit, putain, je l'ai pas eu. Je t'ai dit que j'ai vu quelque chose. Je te l'avais dit. Je suis dégoûté, je l'ai pas eu. Je t'ai dit, je l'ai vu, j'ai vu en bas. C'est un truc de masse, ça se déplace à une vitesse. Ça nous a regardé, je te jure, ça nous a regardé. Mais ça se déplace à une vitesse. Moi, ça n'avait pas l'air humain, je te le dis. Je l'ai vu, c'était carrément énorme. C'était une ombre de fou. Non, non, t'as vu quoi? Une matérialisation, franchement, c'était un être humain. C'était un être humain. Ouais, une sorte un bonhomme. Putain, là, on est sur la route, ça a l'air d'aller. Qui est Morgane? Putain! C'était un bonhomme. C'était quelqu'un. Regarde la porte. Regarde la porte! Wow. Regarde la porte. Assez ouverte. Assez où? Tu l'as vu? Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. On se casse. On reste pas là. On va se faire tuer. T'as vu tout ce qu'il nous a acheté dans la gueule, le machin? C'est clair. Des trucs, ça a tout volé. Non, on va pas. Des bouteilles, du verre, de tout. On a failli se faire claquer. On est resté enfermé. Je crois qu'on allait mourir. On était emmurés. La porte en ferraille, je pouvais pas ouvrir. Viens, on va se protéger juste un peu de la pluie là. Viens. Putain, je te jure, j'ai vu un visage. Merde. Je t'ai dit que j'avais vu. Je suis dégoûté, j'aurais aimé te filmer ça. Merde. Est-ce que tu as l'encens et le... Ouais, ouais. Et le... Et la bougie? Ouais. Sors-les, s'il te plaît. Je vais rentrer là-dedans, là. Vas-y, filme-moi, j'y vais. Non, j'y vais, Morgan. On est ensemble. Vas-y. Il n'y a pas moyen. Et je vais foutre la bougie. Oh putain, Seigneur Jésus. Et je vais foutre la bougie. Au nom de la Sainte Marie. Seigneur, protège-nous. Bénis-nous, Seigneur. Garde-nous en ton sein, Seigneur. Père du Fils, Amen. Ah oh, merde. Ça, c'est con. Ouais, ça va. C'est vrai. Tu vois. Putain, c'est un truc de fou. Regarde, c'est quoi qu'il voulait. C'est passé d'où? C'est pas. Passé d'où? J'en sais rien du tout. Je me suis cassé la gueule comme une merde. Putain. On est tranquille nulle part. S'il te plaît, Stéphane, il faut vraiment que... Morgane, vite. Attends.
il faut vraiment que tu me passes. Prends ta bougie. Ouais, prends. Seigneur Jésus, protège-nous, garde-nous par toi. Je pose tout ça. J'ai du mal, là, je te dis, j'ai du mal à prendre le sac, tout. Je tremble comme un taré, j'ai mes nerfs, tout ça, là, c'est tout. Moi aussi. Putain, regarde, j'arrive même pas à ouvrir le sac. Tellement que je tremble. J'ai la Bible, j'ai pris ma Bible. J'ai pris ma Bible. Ok. Lis le psaume de David, s'il te plaît. Regarde. On va se prendre des trucs. Moi je te dis, on se casse. Hein. On retourne à la bagnole. Steph, s'il te plaît, dépêche-toi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Putain, vite. Le psaume. Et passe-moi ta bougie. Je tremble tellement partout. Désolé, j'ai du mal à. Je parle à l'audience là, je parle. J'ai vraiment du mal, regarde, je suis désolé, mais. Ouais. Désolé, tiens, les talons. Regardez. Au nom du Christ Jésus. Démon, écoute ces paroles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, bénis cette maison. Au nom du Père. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va brûler de l'encens et une bougie, le signe de la continuité de notre prière dans ce lieu. Et on se tire. Rien contre nous, démon. Rien. Nous sommes fils du Christ. Mais Rast, excuse-moi. Je vois pas ce qui se passe derrière. Je vois pas ce qui se passe derrière, demain avant. Je vois pas, je suis concentré là-dessus, excuse-moi. Il faut qu'on fasse ça. On laisse cette bougie. En guise de. Il y avait quelque chose là-haut, Morgane, je te dis là-haut là. On laisse cette bougie en guise de bénédiction. Et on se casse. Putain. J'ai l'impression de marcher. Merde, le feu, tu l'as ? Il est disparu, il est dans ma poche. Je te le donne. Il y aura Saint-Marie. Je tremble, Morgane. Je te jure, je suis juste. En guise de bénédiction, c'est la continuité de notre prière en ce lieu. On ne peut pas rester. C'est impossible. Totalement impossible. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Si toi, tu ne peux rien faire, alors nous, on ne peut rien faire dans ce lieu. Alors on va faire ce qu'on a à faire et on se tire. Putain, Morgane. J'ai eu. C'est filmé. Okay. Ouais. Putain, c'est. On se casse. Morgane, je te dis, donc, franchement, on va faire ici. J'ai failli me prendre une bière. On s'est fait jeter. Regarde le truc que t'as failli prendre. C'est même pas la peine. On est vraiment. La maison Amityville, j'hallucine. C'était violent. T'as vu qu'on s'est fait jeter là. On s'est fait enfermer. Il faut absolument aller brûler cette bougie. C'est une question de foi. Il faut vraiment le faire. J'ai la foi. Seigneur, j'ai la foi. On est avec le Christ, on est avec la Sainte Vierge, il peut rien nous arriver. J'ai la foi, Seigneur. Je suis ton fils. Il peut nous arriver, Seigneur. Tiens, fais gaffe, mon gars. Casse-toi. Allez, viens. On brûle cette bougie et cet encens ici. Et il peut rien nous arriver. Ok? Regarde, fais gaffe, ça nous balance cette putain de pavé des briques. On est avec Dieu. Il pourrait nous arriver. Putain, regarde. Écoute. Ça respire. T'entends ça? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Vous pouvez nous parler. Vous n'avez plus rien à faire ici. C'est pas la peine de nous agresser. Si vous voulez communiquer, faites un bruit.
Est-ce qu'on vous dérange? Tapez, je sais pas, deux fois, si on vous dérange. Ouais, on se casse. Là, il tape pas, il casse. On se casse. On n'avait pas dit casser, on avait dit taper. C'est pas la peine de tout casser, on va se barrer. Putain, Morgane, on se casse. Viens. Reste pas là. Seigneur. Reste pas là. Bénédiction. Celui-là. Et que c'est ton sang. Reste pas ici. On retourne à la voiture, on peut pas passer là, Morgane, putain. Traverse. Viens vite. Morgane, viens vite. Seigneur. Viens vite, on se casse. Cette maison est bénie. T'as entendu ça, putain de malade? Et on s'est fait jeter, putain. On s'est fait jeter. Regarde. On se casse, mon gars. Vite, on se barre. C'est un truc de fou. Putain, pas bien. Regarde. Ça ne fait que j'étais sur la route, moi non plus. Faut qu'on se casse de là. On regarde dans la bagnole. Putain, Morgane, on s'est fait jeter. On peut rien faire de plus, franchement. On clôture là-dessus. Merci de prier pour les esprits chez vous, dans cette maison-là, pour cette enquête. On ne peut rien faire de plus. C'était la chauve-souris. Ciao.